à cette story. Yo, bien ou bof? Bon bah voilà, moi c'est mieux, c'est bien mieux même. Bah oui, c'est ça qu'est-ce qu'on voulait poteau. Bah oui, il pouvait pas en être autrement. La dernière fois contre les narcos, c'était une petite erreur de parcours, ça peut arriver. Mais là, contre les Poliakov, on leur a fait du sale chez eux ma gueule. Bah ouais, on les a punis chez eux poteau. Je crois même que Poutine, il va les envoyer au goulag pour la peine. Mais on s'en bat les nuts, on tabasse tout le monde puis c'est tout. Moi chez moi. Bon, je te cache pas qu'au début de la première mi-temps, j'étais pas très bien assis sur mon siège quand même. Mais d'un seul coup, juste avant la pause, il y a mon gars sur Mbappé Tar qui est rentré dans la surface en mode de speed comme il sait se le faire, comme il fait toujours. Bim, 1-0 comme à l'entraînement, poteau. Ça fait zizi. Et ensuite, en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps? Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je te fais le débrief TVF, on n'a pas trop le temps. Enfin, j'ai pas trop le temps, moi, ce soir, ce. Eh ben, il s'est passé qu'il y a mon poteau Paul Pogboum qui nous a lâché un de ses bijoux, ma gueule. Je te raconte pas, poteau. Donc, je t'ai craint de te dire, coup franc de Paul Pogboum, pile poil dans l'axe, pas trop près, pas trop loin, juste comme il faut, bien cuite, madame. Donc, il a reculé comme ça, la TVF, et bim, dans le petit filet. J'ai pété un coq, je me suis dit, oulala, balle trop fuyante, boum, tu peux pas l'arrêter. Je me suis dit, mais le gardien, pourquoi faire? Il a plongé, pourquoi faire? C'est peine perdue, peine paumée, c'est pas la peine. 2-0, poteau, ça fait zizi. Bon, alors ensuite, ils ont continué à dérouler, tranquillou. Et puis, bon, bah honnêtement, les Russes, ils ont quand même eu pas mal d'actions dangereuses, mais ils arrivent pas à concrétiser. Je sais pas pourquoi, ils frappent tout doucement, ils font des passes à Hugo Lloris, j'ai pas trop compris leur délire. Et puis, bon, bah au bout de la 4ème ou 5ème action, bah ils ont quand même fini par la foutre au fond, mais bon, c'est pas trop grave, ils étaient chez eux, bon, allez, passons, bref. Ouais, toujours comme une chèvre, là, tu brailles. Quoi, des chèvres? Bah, bref. Vas-y, t'es sérieuse, je fais mon débrief, là, vas-y. Vas-y, laisse-moi tranquille. C'est ma daronne qui se fout de ma gueule, encore une fois. Elle aime pas quand je dis bref. Bref. Ouais, alors qu'est-ce que je t'ai craint de te dire déjà? Ah ouais. Bon bah il y a les Poliakov là qui ont fini par la foutre au fond hein, comme je t'ai dit. Mais bon, ils sont chez eux, fallait quand même qu'on les laisse croiver un petit peu. Faut laisser un peu d'humour, c'est le système de Dumout, c'est comme ça, voilà. Donc à ce moment-là, il y a 2-1. Ça fait pas zizir. Après, les Bleus ont continué à jouer, ils les ont laissé croiver un petit peu comme je t'ai dit, et là boum, Mbappé Tar, il a mis fin à leur rêve, poteau. Bah ouais, tu sais, parce que c'est un rêve pour eux de nous battre, tu savais pas? Moi chez moi! Mbappé Tar, il était en pétard, il arrivait en feu, et passement de jambes, fin de frappe, et boum! 3-1 poteau! Ça fait zizir! Ouais, ça fait zizir, mais demain à BFM, t'es pas à l'abri de voir que. L'autre Poutine qui a foutu le gardien et quelques mecs de la défense au goulag, hein. Ah bah oui, bah c'est ça! Bah ouais, mais aussi pourquoi tu leur fais croire que viens pas, joue pas contre nous. Déjà, pourquoi tu fais la coupe du monde chez toi déjà? Tu sais pas jouer, ma gueule. Bon, ok, d'accord, c'est vrai, j'en rajoute, ils savent jouer, j'exagère, j'aime bien taquiner, t'as vu, c'est pour charrier. Oui, c'est vrai que la semaine dernière, je faisais moi le malin, je te l'accorde. Mais là, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de vanner. De toute façon, vous êtes tous nuls, on va tous vous corriger, point à la sardine. Moi, chez moi. Donc, le résultat de la fin des courses du caddie, du bilan, Eh ben, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Bah ouais, déjà, Florian Tropelin, il est blessé. Ça fait zizir. Il a fait jouer Kimpembe un petit peu. Ça fait zizir. Il a fait jouer Rabioman aussi. Ça fait zizir. On a gagné avec 2 buts d'écart et on rentre peinard en quart. Ah ouais, mais il rentre pas en quart, il rentre en avion. Mais ça rimait avec peinard et 2 buts d'écart. Ouais, mais c'est pas grave, bah il rentre en avion à la maison. Ça rime aussi, ça. Moi, chez moi. C'est bon, ça. Bref. Sinon, l'autre point positif aussi que j'ai oublié de te dire, c'est qu'il y a quelques petits nouveaux que je connais pas, hein. Parce que moi, je suis un footix, tu sais. Moi, je regarde que Paris et l'équipe de France. Ça fait moi tes autres championnats, machin. Je les regarde pas, je les connais pas. Si toi, tu connais mieux que moi, tant mieux pour toi, beau gosse. Ouais, donc je t'ai craint de te dire, il y a quelques petits nouveaux qui font zizir. Genre, Hernandez, lui, j'aime bien, lui. Franchement, j'aime bien. J'espère qu'il sera. Donc, bête et déchant, s'il te plaît. Bête et méchant, enfin bref, s'il te plaît. Vas-y, on va voir qu'est-ce que tu vas nous sélectionner là. De toute façon, on est obligé de faire avec toi, on n'a pas trop le choix là. Avec ta tête bizarre là, tu sais, t'as. Mets du labello, essuie un peu le blanc que t'as là, parce que tu es en train de nous foutre la honte dans le monde entier. Tu vois,
Ça, c'est pas cool, ça. Ça fait pas zizir. Donc voilà, on va attendre le mois de mai pour en reparler, en espérant que tu nous ressortiras pas une de tes spécialités d'imbécile encore. Voilà, c'est tout qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match, mais je vous donne rendez-vous très prochainement pour la finale de nos Marvel, you know. On connaît les bails. Salut.